My name is Alem, IMTBS 2002. Welcome to New York. J'ai intégré IMTBS à la suite d'une classe préparatoire de 2 ans, une classe prépa HEC au lycée Hoche à Versailles. Je me souviens de 2 années très intenses et exigeantes, mais également forcément très, très enrichissantes, avec des camarades ayant le goût de la compétition. Et avec le recul, je pense que c'est une très très bonne école et je suis très content d'avoir fait une classe prépa. Donc j'ai suivi la filière manager d'INTBS sur les 2 premières années. La 3e année, je l'ai faite en spécialisation internationale, donc avec un double diplôme au sein de l'Université de Central Florida, UCF. Donc à la sortie de mon école, j'ai intégré un grand cabinet de conseil en management, en spécialisation progressive au fil de mes missions dans le secteur financier, donc bancaire. Et puis quelques années plus tard, donc j'ai poursuivi ma carrière aux États-Unis en rejoignant un cabinet de conseil en relations clients et transformation digitale. Inbox America, c'est un cabinet de conseil en analyse de données. On aide nos clients à prendre parti de leur capital donné et mieux comprendre les parcours de leurs propres clients. Donc on les aide sur une partie conseil, on a aussi des outils techniques qui permettent de garder contact avec les clients, de les segmenter, de leur adresser des communications ciblées et personnalisées. Appliqué au marketing digital, l'analyse de données, c'est avant tout une technique pour essayer de mieux comprendre le comportement des clients. Donc l'objectif, c'est de comprendre leurs goûts, essayer d'anticiper leurs goûts pour finalement mieux les servir, leur apporter des produits, des services plus personnalisés et au final augmenter les ventes. Oui, alors l'aventure Inbox America, elle a commencé en France, puis j'ai été en quelque sorte recruté par un ancien client responsable de réseau bancaire, d'un réseau bancaire en France, et qui m'a dit: bah écoute Yoni, je sais que tu as étudié aux États-Unis et je connais un entrepreneur qui aimerait bien lancer sa filiale aux États-Unis. Et donc ça s'est fait naturellement, mais ça s'est fait aussi comme un projet, c'est-à-dire qu'on a dû réfléchir au business plan et de A à Z on a monté le dossier pour pouvoir venir ici aux US. Lancer une entreprise à l'international, c'est une sacrée aventure. C'est un pari et un challenge. Je pense qu'aussi, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un projet en fait, à apprendre en tant que tel, avec des études préalables. Ils vont monter un dossier, un business plan. Donc il y a une part de risque, mais il faut évidemment l'assumer. Et avant tout, c'est une extraordinaire opportunité. New York, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville monde. On croise beaucoup de personnes, des talents dans énormément de domaines, donc c'est une ville forcément intéressante. C'est une capitale économique, financière, avec beaucoup de centres de headquarters de grands groupes français en particulier pour ce qui me concerne. Donc c'est évidemment une ville très très intéressante pour tout étudiant qui veut démarrer sa carrière. Donc ici c'est la tour News Corp, j'ai travaillé 1 an dans cette tour. Vous avez aussi la télé Fox Corporation et le Wall Street Journal. Donc c'était mon terrain de jeu pendant 1 an. Donc, on a la Times Square, une place iconique pour tous les Américains et puis les touristes aussi. Pour moi c'est une place qui représente énormément de choses. D'ailleurs en venant la première fois à New York, en fait, ici, je faisais mon stage de fin d'études. Et je me suis toujours dit qu'un jour, je reviendrai avec un boulot en poche. Avoir le Graal, c'est avoir voilà, sa marque affichée ici. Mais quand je suis arrivé à peu près aux États-Unis en 2015, ça correspondait au moment où la publicité, les montants des,
des achats de publicité sur le digital dépassaient les montants en display. Et ce qui m'avait choqué d'ailleurs, c'est de voir que en regardant les passants, beaucoup étaient rivés sur, avaient les yeux rivés sur leur portable. Ça montrait bien que maintenant la plupart des budgets pub et l'attention des consommateurs passent par leur portable. Avec du recul, je pense que j'aurais pas fait la carrière aux États-Unis qui est la mienne aujourd'hui sans être passé par IMTBS. Je pense que la dimension internationale a été clé et a vraiment transformé ma trajectoire.